Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné du Capitaine Crochet. Salut Capitaine. Oh. Ah, bonne année. Et de Vincent, comment ça va Vincent? Salut JC, salut Capitaine, salut les disciples. Capitaine, c'est ta première vidéo de l'année avec moi? On n'a pas fait une tous les trois déjà? Ah non, je crois que c'est la première hein, qu'on fait à trois. Hein. Ah ouais, bon bah alors bonne année Capitaine. Bon, du coup, les gars, pour commencer cette vidéo, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez combien de champions titrés n'ont pas boxé en 2020? De champions titrés? Ah non, là. Alors, donnez un chiffre comme ça, allez. On se mouille, on donne un petit chiffre. Avec tous les champions de la WBA, ça va tourner. Ouais. Au... Ah non, j'ai compté qu'un champion. J'ai compté qu'un champion hein, pour la WBA. Dans mes calculs. Ah. Il y a une centaine déjà qui n'a pas boxé. Bon, moi, j'irais aller une trentaine. Non, tu vas fort, là. T'as 4 fédés, des sous-titres. Oui, mais il y a des unifications. Non, je compte aucun sous-titre. Je compte le titre principal par fédé. Il y a des unifiés, il y a des champions unifiés. Et il y a des titres qui sont vacants. La WBO, elle a plusieurs titres vacants. Voilà. Donc, tu réduis un peu. Et combien de champions titrés, de vrais champions, n'ont pas boxé en 2020? 11. Bon, pas mal, Captain. Allez, je vais dire l'autre 15. Bon, bah, c'est 13, donc vous êtes pas mal. Mais bon, je trouve ça quand même assez impressionnant. 13 champions qui n'ont pas boxé de l'année. Alors, du coup, je les ai classifiés par catégorie. Donc, on va descendre de la plus grosse jusqu'à la plus petite. Comme ça, on va voir les vrais qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, donc les plus déterminés. Peut-être que même le capitaine, il va craquer en route. Alors j'attaque tout de suite avec bon, les poids lourds. Comme vous le savez, on a deux champions qui réunissent toutes les ceintures, les quatre ceintures, donc Joshua qui en a trois et Tyson Fury qui est devenu champion de WBC. Donc les deux ont combattu cette année. On passe du coup aux lourds légers. Donc chez les lourds légers, on a quatre champions en titre. Ils ont tous défendu leur ceinture en 2020. Il n'y en a qu'un qui n'a pas combattu et c'est Arsène Goulamirian. Alors, il aurait dû combattre. Malheureusement, ça s'est annulé parce qu'il s'est blessé aux côtes, il s'est fêlé les côtes. Mais voilà, ça fait donc partie du... C'est le premier porté disparu de cette année 2020. Un petit mot peut-être sur Arsène? Bon, bah, qu'il se remette bien déjà, parce que c'est quand même une blessure... ça met du temps à se refaire, de tout ça, d'une part. Ça commence à faire long, c'est vrai que... Ça commence à faire long, il commence à se faire oublier par rapport à la scène mondiale, mais voilà, on lui souhaite le meilleur. Mais après, la petite chose que je voudrais dire, mais peut-être on en parlera avec les autres catégories, c'est que le fait qu'il n'ait pas pu boxer a engendré que d'autres boxeurs français n'ont pas pu boxer cette fameuse soirée de retour, et ça, je continue à pas comprendre. Ouais. On passe aux mi-lourds, la catégorie des mi-lourds. On a du coup deux champions. Parce que le titre WBO est vacant, il y a un champion qui détient deux ceintures et l'autre qui détient la dernière ceinture, donc WBA. Et eh ben, aucun n'a boxé en 2020, c'est cette catégorie, donc c'est la catastrophe. Arthur Beterbiev qui détient la ceinture WBC et IBF n'a pas boxé et Dimitri Bivol n'a pas boxé non plus. Juste, je vais vous faire dire un petit mot, il y a DAZN qui a communiqué des potentielles affiches et ils l'ont mis dans leurs potentielles affiches. Comment vous réagissez à ça? Ben, ça serait beau à voir. Après, est-ce que ça va vraiment pouvoir se faire? Parce que le capitaine, peut-être tu pourras me répondre. Toi, il est avec qui véritablement Bivol en termes de promotion? Ah, Bivol, ouais, je crois qu'il est. Bon, son diffuseur, c'est DAZN. Et je crois qu'il a un. Je sais pas s'il est en contrat total avec Eddie Hearn ou s'ils ont des accointances. Mais Beterbiev, lui, c'est avec Top Rank. Ouais, donc a priori, ça pourrait se faire, puisque Top Rank et Eddie Hearn, ils arrivent à organiser des trucs ensemble, donc ça serait, en tout cas, oui, ça serait le combat à faire dans cette KT. Ouais, mais ça se fera pas comme ça. Les deux ont besoin de combats, ne serait-ce que pour faire monter la sauce, ils ont besoin qu'on les revoie sur le ring avant, quoi. Ou alors, l'idée qu'ils avaient évoquée, alors après, ça, je sais pas si c'est vrai, mais de les mettre en sous-carte d'un Fury Joshua. Après, reste à voir. C'est ce qui a, ça a fait beaucoup de buzz ces derniers temps. Je sais pas si vraiment ça sera, mais
ça serait peut-être le mieux parce que c'est vrai que eux, hélas, ils sont pas trop vendeurs, quoi. Ouais, et puis BetterBF, alors moi, j'avais hésité à, parce que normalement, il était prévu pour aller boxer dans la ville de Québec, faire sa défense de titre. À l'époque, c'était contre un boxeur chinois. Et ça, c'est à la trappe. Et puis, c'est un combat qui a été reporté. Enfin, ça n'a été que ça. Il a été blessé aussi. Ouais. Encore plus reporté, voilà. Mais entre-temps, en fait, ce qui est intéressant dans cette catégorie, c'est qu'il y en a un qui a boxé deux fois cette année et qui a repris un peu la main, je trouve, c'est Joe Smith Jr. Qui a fait une année exceptionnelle. Et donc, le combat, en tout cas, de BetterBF, normalement, ça devrait passer pour son prochain combat, mais c'est le gros combat américain pour lui, ça sera contre Joe Smith. Donc, de son côté, Bivol, il faut qu'il trouve quelqu'un pour être dans l'actualité, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et un petit mot pour Sergei Kovalev, qui a été attrapé pour prise de stéroïdes. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si, j'ai rien. Ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, son combat est annulé. Ça y est, là, le combat qu'il devait faire fin du mois. Ouais. D'accord. Franchement, je me demande. Alors, voilà, je suis le Alex Jones de la boxe, mais je me demande s'il n'est pas content de ça. Sergei Kovalev, s'il n'est pas soulagé. Je me demande s'il n'a même pas fait un peu exprès, tu vois. J'avais vraiment l'impression qu'il avait envie de se faire choper par la patrouille parce qu'il ne voulait absolument pas le faire, ce combat. Les signaux, en tout cas, qu'il a envoyés, et je pense qu'il est très content. C'était une terreur, hein, le mec qu'il affrontait en face. Hein. Je ne me souviens plus du nom, je sais. Oui, il a un nom compliqué, ouais. Ouais. Terreur. Je n'ai pas le nom, mais c'est un espoir. Bah, il le prenait clairement pour comme faire valoir, pour se faire briller, pour prendre un nom, son adversaire. Ouais. Ouais, je pense qu'il est content de cette sortie de ça. Puis en termes de prestige et d'aura, enfin de renommée, il en a rien à foutre, Kovalev. Il s'en fout. Ah oui. Lui, il sait très bien que c'est le vilain. Il s'en fout complètement. Donc voilà. C'est dommage. C'est triste. Alors, j'enchaîne du coup avec les super moyens où il y a eu de l'activité, parce que donc du coup, Saúl Álvarez est champion WBC et WBA en battant Callum Smith. Caleb Plant, le champion IBF, a quand même combattu en début d'année. Alors, pour moi, il fait quand même partie un peu des oubliés sur cette fin d'année. Billy Joe Saunders a défendu son titre WBO pendant l'année aussi. Donc, rien de trop spécial à dire sur les super moyens. C'est quand même l'une des catégories où il y a le plus d'activité. Ouais, Benavidez qui a perdu le titre aussi, enfin qui a combattu, qui après a perdu du coup ce titre. Donc ouais, ils ont tous combattu, quoi. Mais ce qui est bien sur cette catégorie, c'est que, enfin, ce qui moi m'a vraiment impressionné, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est que en un instant, en un combat, en une soirée, cette catégorie qu'on trouvait très équilibrée, où il y avait des forces en présence, très équilibrée, Saúl il est arrivé et là c'est clair, ça a plié le game. Tout le monde se dit, bon, il y a Álvarez, et puis il y a les autres qui sont loin derrière. Même si j'adore Caleb Plant, jamais je mettrai ma pièce sur Caleb Plant contre Álvarez en ce moment, tu vois. Ouais. Je passe au poids moyen. Donc, chez les poids moyens, on a le champion WBC Jermall Charlo, qui a combattu. On a le champion WBO Demetrius Andrade, qui a combattu. Le champion IBF Golovkin, qui a combattu. Et il en reste un petit champion, là, enfin, qui est devenu un peu champion... Bon, c'est un peu bizarre avec la WBA, hein, vous connaissez, mais leur champion, c'est Ryota Murata, et lui n'a pas combattu l'année 2020. Ouais. Oui, est-ce qu'il n'est pas en train de se faire oublier celui-là? Ouais, mais alors du coup, si je ne dis pas de bêtises, Murata, enfin quoi que je ne sais pas, ça va fonctionner, mais pourrait passer super champion, puisque la WBA a retiré à Canelo son titre des moyens. Ou alors ils vont organiser un combat, il y aura un jeu, ce titre de super champion. Mais c'est que ouais, Murata, lui, en plus, il s'est fou. Enfin, c'est compliqué parce que Murata, il a jamais été très vendeur en extérieur. Alors est-ce qu'au Japon, ils l'ont oublié? Je pense que tu vois, au Japon, ils arriveront toujours à organiser un événement avec lui. Ça va pas trop, il va pas trop en pâtir par rapport à d'autres, je pense. C'est ça la question. Est-ce que sa renommée au Japon, est-ce qu'elle est intacte ou est-ce que... Ouais, c'est ça, parce que c'est son public. Mais ouais, moi, j'aime beaucoup Murata. On en a beaucoup parlé avec Vincent dans un live qu'on a fait de Murata, justement. On va peut-être pas se répéter, mais qu'est-ce que j'aimerais le voir contre les autres noms que tu as dit, JC? Qu'est-ce qu'on aimerait le voir? Vous parliez pas d'un combat contre Chris Eubank? C'est vous qui abordiez, qui proposiez ça, non? Bah, en tout cas, c'est dans les réseaux. Eubank, lui, son objectif, ça serait Murata maintenant.
D'accord. Ouais, mais je crois que vous en avez parlé et j'ai trouvé que l'affiche aurait été super belle. Chris Eubank Jr., il n'a pas boxé cette année. Enfin, 2020. Oui, oui, oui. Il a signé chez un promoteur là en fin d'année. Bon, à voir ce que ça va donner. Il est encore très bien classé, donc c'est vrai qu'il pourrait quand même avoir une proposition comme Morata. Juste pour revenir sur son statut à Morata, pour être précis avec toi, Vincent, aujourd'hui, quand tu vas sur le site de la WBA, il n'y a que lui en tant que champion, et même Ring l'a nominé comme champion WBA. Donc a priori, ça serait le super champion. Voilà. D'accord. Et pour revenir à Morata, parce que Morata, il est en co-signature avec Top Rank, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas pu faire comme Inoue, qui au final a fait son combat à Las Vegas. Ça a été compliqué, mais il l'a fait. Mais Murata, il aurait vraiment pu aussi faire la même chose, tu sais. Et en plus, il y a Rob Brandt, son grand adversaire, qui est bien revenu cette année, qui a fait un très beau combat de retour. Et bon, ils auraient pu faire un troisième combat tranquille pour Murata revenir. Ouais, c'est un des noms où là, ça commence avec Beterbiev. Là, ça commence à devenir critique, là. Ça fait trop long. Ouais. Oui, surtout que même tu parles d'Inoue, captain à Vegas, mais même rien qu'au Japon, quand tu vois l'événement qu'ils ont eu en fin d'année avec Tanaka et Yoka. Bon, après, c'est particulier parce que c'est fin d'année, donc il y a toujours un événement, mais Murata aurait pu essayer de placer ses pions, ouais. Ouais. Après, pourquoi pas le mettre en sous-carte de Inoue, vu qu'il a rejoint Top Rank, ça pourrait faire une belle réunion. Ouais. Je passe au Super Walter. Donc, on a le champion unifié WBC, IBF et WBA, Jermell Charlo, donc, qui a combattu et récupéré d'ailleurs les titres. Et on a un autre champion qui, lui, n'a pas combattu, c'est le champion WBO, Patrick Teixeira. Qui va boxer quelqu'un qu'on connaît bien, Brian Castano, c'est en février ou en mars, je ne sais plus. C'est février ou mars. Je crois que c'est février, ouais. Ça sera sûr, ouais, je sais plus. Ouais, ouais, ça doit être le 20 février ou un truc comme ça. Voilà, donc Teixeira, son dernier combat en 2019, c'était un combat énorme contre la République dominicaine Adames, où il prend le titre de WBO. Mais voilà, je suis impatient de voir sa prochaine sortie, parce que tout ce qu'on espérait tous, c'est que ou Castano, Teixeira, Michel Soro soient là prochainement pour eux. Justement, je rebondis, Michel Soro qui n'a pas combattu en 2020, il fait partie aussi un peu des oubliés de cette année. Donc je pense à lui et Sissoko, donc qui sont dans cette catégorie des Super Walter, et tous les deux qui n'ont pas pu boxer, alors que Soro aujourd'hui est classé deuxième chez BoxRec. Ah ouais. Et on en revient à ce qui est une polémique, c'est que bon, malheureusement Arsène s'est blessé, mais est-ce qu'il fallait annuler une carte complète parce que Arsène est blessé? Parce que Michel Soro s'était entraîné, il y avait Dylan Chara, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui était prévu sur la carte. C'est ça. Et c'est quand même des noms. Je veux dire, bon, tu l'aurais peut-être pas diffusé sur le Canal Plus. Tu l'aurais diffusé peut-être sur le Plus Sport ou sur une chaîne annexe, ok, mais au moins ils auraient boxé, quoi. Au moins ils auraient boxé, puis c'est quand même non. Est-ce qu'en France, Michel Soro est devenu un nom qui ne fait pas un main event? Je ne comprends plus, là. Je ne comprends plus. Il aurait pu le remplacer pour être le main event, il n'y a pas de souci. Pas normal. C'est très triste, ouais. Canal Plus a carrément annulé la soirée parce que pas de titre mondial en jeu, donc voilà. Voilà. C'est... Les derniers qui n'ont toujours pas compris ce qu'étaient les titres en ce moment. On passe au poids Walter, messieurs. On a le champion unifié Errol Spence Jr. des ceintures WBC et IBF qui a combattu. On a le champion WBO Terence Crawford qui a combattu. Et on a un dernier champion qui n'a pas combattu, le champion WBA Manny Pacquiao. Un petit mot, ouais, sur Manny, s'il vous plaît. Et c'est très regrettable, je trouve. Alors déjà parce que j'adore Manny, puis en fait Manny, on a beaucoup parlé en début d'année de son record, du fait qu'il devienne champion dans 4 décennies différentes. Mais pour moi, pour qu'il valide son record, il faut qu'il fasse au moins une défense de titre dans cette nouvelle décennie. Et je pensais qu'il en aurait une cette année, et là pour l'instant il n'a rien. Donc j'aimerais bien quand même qu'il puisse valider ce record, qu'il ait un combat, tu vois, cette année pour pouvoir le valider. Mais à voir s'il peut gagner, parce que bon, il vieillit aussi, mais... À voir. Mais c'est, pour moi, c'est le plus regrettable, peut-être. Captain ? Ouais, je suis d'accord. Surtout que, en fait, je pense que le point où il y a
un grain de sable dans la machine, c'est la deuxième partie de 2019. Parce que il fait une première partie avec deux combats où il domine, il est au-dessus de très de bonnes prestations, et que c'est pas enchaîné derrière, surtout que lui qui est plus vieux et qui en fait il a besoin beaucoup de riz. Voilà. Puis Manny, c'est tellement, c'est toujours le problème avec Manny, c'est que en fait c'est le big, lui il cherche plus qu'un titre, il s'en fout du titre. C'est le big money fight. Le money fight, ouais, c'est ça. Voilà, alors on pensait qu'il l'évitait à l'époque avant son accident, mais là, la dernière sortie de Manny qui dit qu'il trouve qu'Errol Spence est devenu plus lent depuis sa dernière prestation, alors est-ce qu'on se dirigerait, est-ce qu'il le ferait quand même, son combat contre Errol Spence? Parce que tous les autres, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les autres, ils le veulent, le Manny Pacquiao. Ah oui. Et, oui. Vois, ils le veulent, c'est leur money fight, donc ils le veulent tous. Et donc Manny, il est comme ça, après, il suffit qu'il y ait Connor qui débarque, débarque pour que, pourquoi pas. Il paraît qu'il y a des discussions avec Connor. Il paraît ça se dit. Après, il y a un moment qu'ils en parlent de ce combat. Et quand même, ça fait déjà, tu remontes même 2 ans en arrière, ils en parlaient déjà. Donc, est-ce que ça va vraiment se faire? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, en fait, là, Manny, c'est où il le prend un des tauliers, ce qui est en fait vachement risqué. Oui. Où est-ce qu'il attend, et c'est le problème, c'est l'attente. Là, ils n'ont plus les cartes en main. C'est combien de temps il faut attendre pour qu'un big money fight ou pour les Saoudiens aient envie d'acheter Connor contre Manny, quoi. Je suis sûr qu'ils attendent ça, quoi. Donc il est dans l'attente. Et plus il est dans l'attente, plus il vieillit et plus c'est difficile à vendre, quoi. Exactement. On passe, les gars, au super léger. Donc là, nous avons 2 champions. Chacun détient 2 ceintures. Donc d'abord, on a José Carlos Ramirez, qui a la ceinture WBC et WBO. Et on a Josh Taylor, qui a la ceinture IBF et WBA. Tous les deux ont boxé cette année. Je dirais peut-être quand même que Taylor s'est fait un peu oublier parce qu'il fait un combat, même s'il le gagne au premier round. C'est vrai que moi, j'avais un peu zappé en cette fin d'année ce combat-là, qui n'avait pas vraiment d'adversité. Et même pour moi, il sortirait du classement du top 10 ring. Moi, je le sortirais. Et... je pense qu'aussi son problème, c'est qu'il est tombé ce combat, si je me souviens bien, une période où tu as eu beaucoup de gros combats. Il y avait Loma Lopez, il y avait Davis, Santa Cruz, je crois qu'il est un peu... Il y avait les Charlots. Enfin, en tout cas, il est tombé dans une période où c'était très difficile pour lui, je pense, d'exister. Ouais. Et puis le combat de Ramirez, je ne sais plus quand il arrive et tout, mais c'est pas non plus... on sent qu'il a du mal à s'y remettre, Ramirez, si je ne me trompe pas, donc... ouais, mais de toute façon, c'est prévu que, enfin, ça, c'est prévu, la réunification totale, elle est prévue. Alors, encore une fois, quand, où? Donc, je passe au poids léger, ou là où, bon, les poids légers, on a fait que parler de cette catégorie. Donc, on a actuellement 2 champions, on va dire. Le champion WBC, Devin Haney, et le champion unifié, Teofimo Lopez, qui a la ceinture IBF, WBA et WBO. Donc, bon, c'est une catégorie où il y a de l'activité, on parle beaucoup de cette catégorie, donc, ça ne rentre pas vraiment dans le sujet de cette vidéo. Donc, je passe au Super Plume, où là aussi, ben, finalement, on a eu de l'activité. On a quand même eu un truc un peu particulier avec Miguel Berchelt, le champion de WBC. Donc, c'est-à-dire qu'il a combattu cette année, mais c'était un no contest, car il n'y avait pas de commission pour valider les combats à cause du coronavirus. Donc, c'est vrai que c'est un truc un peu bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait no contest, et en fait, c'est dû à ça. Il n'y avait pas de commission. Ah ouais, tu vois, j'avais même pas suivi, ouais. Voilà. Qui a validé la soirée, donc il a quand même un combat, donc il est quand même resté actif, voilà, Miguel Berchelt. En plus, là, on a une grosse annonce qui arrive là pour le début de l'année, donc il n'y a rien à dire, c'est pas un porté disparu du tout. Le champion IBF, Joseph Diaz Jr., il a combattu en début d'année, il me semble. Le champion WBA, Gervonta Davis, voilà, on a parlé de lui. Et champion WBO, Jamel Herring. Alors, j'allais finir, il y a quand même un petit oublié dans cette caté, c'est Carl Frampton, qui n'a pas boxé, mais il va combattre Jamel Herring. Il a boxé. Ah oui, oui, pardon, il a boxé, mais je trouvais que c'était quand même un nom qui se faisait de plus en plus oublier, et là, il va avoir un super fight qui arrive. Ouais, prévu depuis encore aussi longtemps, qui aurait dû arriver en 2020 si tout allait bien, et qui va arriver là, et qui va arriver en Angleterre en plus, qui va arriver à Londres. Ce ne sera pas aux États-Unis, si je crois bien. C'est Herring qui va aller à Londres, enfin moi c'est une affiche que j'attends, ça. Carl Frampton, qui était considéré dans les meilleurs de sa catégorie, vous attendez quoi de lui aujourd'hui? Vous pensez qu'il peut redevenir champion et aller se frotter au meilleur? Il peut redevenir champion, après se frotter au meilleur c'est une autre histoire, je pense.
Il était bien revenu, mais en fait, ces deux derniers combats à Frampton, c'est des mismatchs. En face, c'était des boxeurs valeureux, mais tu ne peux pas vraiment sortir un vrai jugement sur Frampton. Et en tout cas, il est là, il est toujours prêt physiquement, tout ça. Face à Jamel Herring, j'attends avec impatience. Pour moi, c'est un 50-50 fight. Je pense que Jamel Herring, il n'a jamais combattu un mec comme Frampton non plus. Voilà. Et puis, mais est-ce que Josh Warrington n'a pas pris quelque chose de Frampton à tout jamais? Ça, c'est, je le crois aussi. Moi, je pense aussi, ouais. Je passe à la catégorie des poids plumes, où là, on a le champion WBC Gary Allen Russell Jr., bon, qui a combattu cette année. Mais quand même, je trouve que c'est vraiment un boxeur qui se fait de plus en plus oublier. Mais je vous laisserai à développer. Il boxe une fois par an. Lui, il était en mode coronavirus depuis, ça fait 6 ans. Ouais. Ouais. Et pourtant, c'est quand même un super boxeur et un très beau potentiel. Oh. Oh oui. On a le champion WBO Emmanuel Navarrete qui a boxé, mais pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de commission à cause des conditions Covid. Donc, il a quand même combattu, mais c'est un no contest et pas validé, ce combat. On a un boxeur, c'est Kan Xiu. Je l'ai quand même cité chez la WBA, mais bon, avec des grosses guillemets autour de son nom, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de champion. Donc, il est plus ou moins là en tant que champion. Voilà. Et par contre, l'oublié de cette année, bah, c'est Josh Warrington, qui n'a pas combattu le champion IBF, mais qui va revenir très, très prochainement en février. À voir comment il sort de ce hiatus imprévu. Parce que c'est le genre de mec, c'est une mobilette, hein, ce mec. Hein. Ouais. Le genre de mec qui a besoin de rythme. C'est contre qui qu'il revient en février, du coup? Je connais pas la gros nom, quoi. Enfin, Eddie Hearn disait que c'était un combat dont il était ravi, parce que j'ai regardé sa conférence de presse sur YouTube, mais bon, moi, ça me... Ouais. Je vais passer au Supercoq. Là, il y a eu des choses assez intéressantes. Chez la WBC, alors, Ray Vargas, qui était le champion WBC, a cédé son titre. Et parce qu'il est monté, il est déjà classé quatrième chez BoxRec dans la catégorie supérieure. Donc lui n'a pas combattu cette année, dans aucune des catés. Et son titre a été récupéré par Luis Neri. Mais bizarrement, Ring ne le considère pas comme le champion WBC. Il n'est pas validé comme champion Ring chez champion WBC chez Ring. Donc c'est un peu étrange. Est-ce qu'ils l'ont franchisé? Non, je pense que c'est plutôt le contraire, c'est qu'il ne considère pas, parce que c'est un titre intérim, pas vraiment vacant qu'il a récupéré, enfin, c'est un peu bizarre. Marc, est-ce que Luis Neri, on peut le considérer comme un super coq, hein, parce qu'on se pose la question des fois. En tout cas, la WBC le met comme son champion en titre. Quand tu vas sur le site, c'est Luis Neri le champion en titre WBC. On a Akhmadoliev, qui est le champion IBF et WBA, qui a combattu. Angelo Leo, le champion WBO qui a combattu. Et j'ai juste un petit clin d'œil pour Tomoki Kameda, c'est un boxeur que j'aime bien. Alors, il n'a pas combattu, mais il est encore classé dans le top 10 ring. Et donc, voilà, j'espère le revoir prochainement. On passe au poids coq. Donc là, on va avoir des choses à dire aussi. Donc, chez les poids coq, nous avons trois champions. Le champion unifié, Naoya Inoue, IBF et WBA, qui fait une très bonne année parce qu'il débarque à Las Vegas avec une super promo et tout autour de son nom. On a le champion Casimero, qui est champion WBO. Et on a un champion qui n'a pas combattu. Voilà, c'est le seul de cette catégorie qui n'a pas combattu, le champion WBC, Nordin Ubali, qui aurait dû faire un super combat en fin d'année. Et oui, oui. Ouais. Ouais. Il y a des choses à dire. Hein. Ouh là là. Je ne sais pas par où commencer. Vas-y. Non, mais je... La patate chaude. Non, mais en plus, bon, enfin, il y a beaucoup à dire, oui et non, parce que dans le fond, on ne sait pas vraiment toujours ce qui s'est, comment ça s'est négocié, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses qu'on ne nous a pas dit. Donc, ouais, c'est regrettable, parce que pour Ubali, ça aurait été un gros pas en avant, d'honneur, quoi, comme combat, quoi. Ça y aurait permis vraiment de grimper, enfin, encore fallait-il qu'il gagne le combat, mais il avait clairement ses chances et ça aurait pu vraiment, pour sa carrière, jouer beaucoup. Est-ce que c'est toujours dans les cordes un combat contre Naoya Inoue? Je sais pas. Alors Inoue, là, je crois qu'il commence à parler là du prochain adversaire cette année.
qui n'était pas un gars du tout qu'on attendait forcément. Moi, je croyais vraiment qu'ils allaient essayer de refaire contre Casimiro. Ça, ça a été mon gros regret de cette année 2020 parce que ça devait arriver en mai. Qu'est-ce que j'aimerais le voir, ce combat. Franchement, il faut qu'il le fasse. Il nouait Casimiro, je devais y aller. En avril, ouais. C'était prévu. C'était prévu le 26 avril. Ah ouais, non, mais moi, ça, c'est mon regret vraiment de l'année 2020. Parce que Casimiro, en fait, c'est, il a confirmé avec son combat, tu sais, dans son quart de Charlot. Il a vraiment confirmé que c'était... Waouh, il est sur deux gros KO de suite énormes. Voilà, donc c'est, ça pouvait être que explosif avec Inoue, bien sûr, avantage à Inoue, oui. Évidemment, mais c'était la fiche explosive. Et donc, Nordine, pour rejoindre ce que tu dis, moi je comprends pas. Je l'ai déjà dit plein de fois sur mes réseaux et tout. Je comprends pas. Parce que c'est toujours, il faut avoir toujours cette mentalité d'impresario. Il y a du buzz qui se fait avec Inoue et Casimiro. Donc, il faut toujours se faire rester dans la danse, tu vois, qu'on continue à parler de Nordine. Et là, et ben, c'était. Enfin, qui refuse de prendre un Hall of Famer avec Donner? Je comprends pas. Ce combat, tout ce qu'il y a autour, j'ai l'impression que toutes les parties en présence n'avaient vraiment pas envie de faire ce combat. Ils ont préféré. Faire une histoire tirée par les cheveux pour au final s'en dépatouiller, bah, au final, Nordine, sur le plan international, eh ben, il va se faire oublier. Et le focus, il est sur Inoue. Et voilà. C'est tout ce qu'il a construit en 2019, c'est comme si ça s'était évaporé. Je comprends pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est vrai que c'est triste, après une telle année 2019, faire une année 2020 vide. C'est dur. Chez les super mouches, tous les champions ont combattu. WBC, donc c'est Juan Carlos Estrada. WBA, c'est Roman Gonzalez. WBO, c'est Kazuto Yoka. Donc, que des. Enfin, bon, si finalement, cette catégorie-là, elle a été ouf cette année. C'est une belle catégorie, ouais. Et le seul qui n'a pas combattu, c'est le champion IBF, Gerwing Onkaras, que je ne connais pas, je dois vous avouer. Mais le reste, j'ai vu les Philippines, non ? Ouais, je crois que c'est un Philippin. Oui, c'est un Philippin, ouais. Ouais. Bah, catégorie de ouf, hein, parce que quand même, quand justement, tu sais, en fin d'année, on faisait nos top 10 et tout ça. Bon, bah, Chocolatito et Estrada, carrément, ils rentrent par la grande porte dans, je pense, la plupart de nos top 10. C'est dinguissime. C'est l'affiche qui va arriver le 13 mars. Bon, ah ouais. Voilà, quoi, et tout. Non, c'est. Et honnêtement, Chocolatito, c'est peut-être le boxeur de l'année dernière. Parce que c'est incroyable, son retour, là, souvenez-vous, en février, en sous-carte de Jesse Vargas contre Mickey Garcia. Mm. Ce retour contre l'anglais, là, vraiment, c'est les retours de grands. Enfin, pour moi, c'est comparable à un Durant contre Aaron Barkley, ce qu'il a fait. Et après, il confirme encore, dans un combat dur, dans une vraie bagarre. Comment ne pas devenir fan de Chocolatito, tu vois? C'est incroyable. Estrada aussi, qu'est-ce qu'ils sont. Oui, effectivement, que ce qu'a dit le capitaine, de toute façon, il y a un gros potentiel dans cette division. Ce qui serait encore plus beau, mais qui à mon avis n'arrivera pas, c'est que Kazuto Yoka rentre dans la danse, quoi. Mais je pense pas qu'on verra un jour un Yoka Estrada ou un Yoka Gonzalez, mais ça serait beau. Du coup, je passe aux mouches, c'est quand même pas mal. Il y a Julio César Martinez, quand même, qui est champion de WBC. On a, après je connais pas bien, Dalla Kian qui est champion de WBA et Nakatani qui est champion de WBO, et il y a qu'un boxeur qu'un champion qui n'a pas combattu cette année, c'est le champion IBF qui s'appelle M. Talan, c'est un Africain je crois, je sais pas de quel pays exactement, j'ai pas noté. Je passe directement aux deux dernières catégories, vous avez un mot à dire? Non, moi pas plus. Martinez, en termes d'impression, Martinez c'est une terreur. C'est une terreur. C'est ce genre de boxeur qui te fait peur sur le ring. Comparativement, Martinez, je le trouve aussi effrayant que Arthur Veterbieff dans ses grands jours. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que vous. Ouais. Non. C'est impressionnant. Il me fait un peu penser, moi, des fois, de tête à Mayorga. Un peu, ouais. Un petit peu, c'est vrai. On passe à la catégorie des mimouches. Alors là, ça a été l'hécatombe. Sur les quatre champions en titre,
il n'y en a qu'un qui a défendu sa ceinture, enfin qui a combattu cette année. Les trois autres n'ont pas boxé. Donc, bon, je ne vais pas forcément citer les noms parce qu'ils ne sont pas très connus. Donc, le seul qui a boxé, c'est le champion WBO, Elwin Soto, mais tous les autres n'ont pas boxé. Il y a juste Félix Alvarado qui, même s'il n'a pas combattu, donc c'est champion IBF, même s'il n'a pas combattu en 2020, il a boxé là en début d'année 2021. Donc, il s'est rattrapé, il s'est remis en selle. Mais les autres, les deux Japonais, Kenshiro Taraji, champion de WBC, et Hiroto Kiyoguchi, champion de WBA, n'ont pas combattu. Je passe au poids paille, si vous le voulez bien. Et on a eu, alors là, ce qui est marrant, c'est que chez les poids paille, alors ils ont tous combattu, et on a sûrement le champion qui a le plus combattu cette année. On a le champion WBC Panya Pradasir, bon, pardonnez-moi pour la prononciation, qui a combattu 4 fois et qui a battu Monsri, qui était le recordman avec les 54-0, là, celui qui avait le record au-dessus de Floyd Mayweather. Ah ouais, mais tu as pas battu, suivi ça. Voilà, c'est lui qui l'a battu, qui a récupéré son titre et qui, du coup, est peut-être et qui est sûrement le boxeur, le champion en titre qui a le plus combattu en l'année 2020. Ah merde, mais tu vois, j'avais même pas suivi que Monsri avait perdu, tu vois. C'est dire, putain, ces catégories, on les oublie trop, quoi. Ouais, Monsri, c'est un compatriote à lui, hein. Ils sont des... je crois bien. En 7 ans, je crois. En 7 ans que ça s'est passé, je crois. Ouais. Donc... voilà, je voulais juste finir sur cette petite note un peu marrante de ce boxeur qui a combattu 4 fois en 2020 et est devenu champion du monde et a battu donc le fameux gars qui battait le record de Floyd Mayweather et qu'on connaissait qui pour ça, hein, parce qu'à part ça, on parlait pas de qui. Et tu vois, ça restera un regret qu'ils aient pas fait le combat avec Knockout CP Freshmart, qui est thaïlandais aussi, qui est invaincu, qui est champion de WBA. Et moi, je dis, putain, mais enfin, pour dynamiser cette KT, ça, en plus, c'était tous les deux thaïlandais, quoi. Faites le combat d'unification, ça aurait été énorme. Et donc, voilà, ben, c'est tout. Sinon, il y a Mendes qui est champion de WBO, comme tu as cité, champion de WBA. Et champion IBF, c'est Tadouan. Voilà. Voilà, messieurs. Bon, elle était un peu longue, comme j'ai repassé toutes les catégories. Est-ce qu'il y aurait peut-être un nom qui, vous, particulièrement, vous restez en regret en ce début d'année 2021? Vous dites, putain, ça fait quand même chier que ce boxeur-là, et on n'en ait pas reparlé. Ben moi, en fait, j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment tiraillé entre deux. T'as Pacquiao, comme je disais, et Beterbiev. C'est vraiment un des gros regrets, ouais. Adrien Broda va revenir, hein. Il va revenir, ce fou-là. Il va revenir. Ah, mais on s'en débarrassera jamais de lui. Ah, non. Moi, je serai là, regardez. Et toi, JC, il y a un boxeur là qui te manque? Alors, ben, moi, c'est sincèrement celui qui vraiment ça m'a fait le plus de mal, c'est Sissoko. Parce que je trouve que c'est un gâchis et je pense que même de ne pas se rendre compte du mal qu'on fait à la boxe en France en ne faisant pas boxer ces pépites-là, parce que Sissoko est quand même l'un des plus talentueux de la team solide. Dans une des catégories les plus belles du monde, ne pas le faire boxer, soi-disant il va boxer en sous-carte d'un tel et ça se fait pas, l'apprendre quelques jours avant, ah mais non mais c'est bon, il va boxer là, et puis quelques jours avant, ah non mais je peux pas, j'ai un problème de visa, je comprends pas, ce manque de professionnalisme, c'est à s'en tirer les cheveux, franchement, c'est, enfin voilà. Bah, peut-être qu'il est parcimonieux, il veut absolument un certain profil, sinon il monte pas sur le ring, peut-être aussi. Ouais, mais tu crois que c'est un bon calcul de faire ça? Il faudra lui demander, mais c'est vrai, je suis pas sûr, parce que ça, je pense que c'est un calcul qui est fait sur ça ira mieux, on va revenir à la normale et tout ça. Ouais, mais si on revient pas à la normale tout de suite, et encore pour, imaginons 2021, on revient pas à la normale, tu vas passer 2 ans sans boxer parce que t'as pas le profil que tu veux. Ça va faire 2 ans quand même. Voilà. Donc, après, ils peuvent faire chemin arrière et puis tu le vois accumuler des combats dits de niveau national et tout ça, parce qu'il faudra qu'il accumule des combats. Mais je trouve qu'il y a des fortes chances qu'il en arrive là, malgré qu'il soit signé par Matchroom et tout ça. Il y a un beau cheptel de Super Walter en France de tous les niveaux possibles. Donc, il a qu'à. Enfin, en restant en France, il n'aurait pas de problème de match-up, à la différence de catégorie. Par exemple, je sais pas, imagine les poids lourds en France, c'est plus compliqué de faire des match-up qu'entre Français, c'est vrai.
Et là, en France, il y a du niveau, quoi. Un tout petit dernier mot. J'aurais bien aimé en 2020 la revanche Badou Jack Jean-Pascal. Ah ouais. Non, c'est génial. Et franchement, franchement, on finissait l'année avec ça en 2019. Cette année 2020, on aurait aimé cette revanche. Ouais. Mais souvent, Jean-Pascal, c'est des revanches avortées. Badou Jack, je voulais dire, c'est des revanches avortées. On aurait voulu avoir une revanche contre D-Gale. On aurait voulu avoir une revanche contre Adonis Stevenson. Et à chaque fois, ça passe à la trappe. Sur ce, les gars, je vous dis à très bientôt. Une petite actu, Captain, pour toi ? On a fait un spécial Jeux Olympiques, justement, avec Vincent hier. Et puis, il y a un portrait de carrière d'une légende des petites catégories qui arrive, qui est en train d'être téléchargée. Vincent, tu participes à cette vidéo ou pas ? Non, j'y participe pas, mais je sais de qui il est question, je ne dirai rien, mais je la regarderai avec plaisir en tout cas. Ok, j'écouterai ça aussi. Merci beaucoup à vous d'être venus. Et ben, je vous dis à très bientôt. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne !